Ce mardi 7 mars dans Koh-Lanta, le feu sacré, Elodie, persuadée d'être sur la sellette, a pris à partie ses coéquipiers durant de longues minutes. Une séquence forte qui a étonné une bonne partie du public. La faim et la fatigue commenceraient-elles à jouer sur le moral des aventuriers de Koh-Lanta, le feu sacré? Alors que TF1 proposait ce mardi 7 mars le troisième épisode de l'édition 2023 de son jeu d'aventure, Elodie a été au centre d'une étrange et longue séquence qui a beaucoup fait réagir les fidèles de l'émission. Alors qu'elle a tiré une troisième boule noire, synonyme de non-participation à une épreuve, le chat noir belge a soudain fondu en larmes devant ses coéquipiers, de peur d'être éliminé par ces derniers lors du conseil. Elodie, Koh-Lanta, le feu sacré, je sais que je suis sur la sellette. La candidate qui avait beaucoup ému les téléspectateurs de par son histoire personnelle tragique s'est ainsi lancée dans un monologue surprenant, de l'aveu même de ses coéquipiers, je suis sur la sellette. Non mais je saute ce soir. Je suis hyper bonne mais je n'ai jamais pu le montrer. Comment prouver qui je suis? Je dois faire quoi? Une démonstration devant vous? A-t-elle lancé aux autres candidats qui ne lui avaient tout simplement rien demandé? Tu n'y es pour rien, garde le moral. Tu n'as rien à nous prouver à bien tenter Martin, en vain. Complètement fermée, Elodie ne semblait en effet pas en mesure d'écouter le moindre propos rassurant. Mais je ne peux même pas le prouver. Je vous dis que je suis bonne en natation mais évidemment ce ne sont que des paroles hein. Je ne peux pas vous le prouver. Et puis personne ne vient me parler moi. Martin, Koh-Lanta 2023, il faut que tu calmes un peu le jeu. Elodie seule face à la caméra, la Belge qui a participé à une célèbre émission télé a confié son énervement d'être parmi plein d'hypocrites. Je préférerais qu'ils me disent qu'ils vont voter contre moi, car je le sais. Alors qu'elle finit par s'isoler pour laisser les gens parler sur elle, Elodie crie à ses coéquipiers qu'elle a tout de même de très bonnes oreilles et qu'elle entend tout. Hallucinée par son comportement et ses fausses idées, ces derniers tentent alors de la ramener à la raison. Dans Martin, il faut que tu calmes un peu le jeu Elodie. Elle se croit en danger, ramène tout à elle de manière négative et s'apaise sur le camp. Les internautes, eux aussi, ont massivement réagi sur Twitter. PTN Elodie nous soufflamme la hashtag Koh-Lanta, Emrys, Alien, @ichne, March 7, 2023 Elodie vit pour les caméras. Quelle actrice. Hashtag Koh-Lanta, chef @zofstyle, March 7, 2023 Oh mon dieu, Elodie m'énerve. Hashtag Koh-Lanta, EMZ, cœur qui brille, @oseokedemz, March 7, 2023 Elodie très drama cette reine belge. Hashtag Koh-Lanta, BL @BL10111999, March 7, 2023 Mais Elodie elle a totalement craqué la mort de rire. Hashtag Koh-Lanta, Francky @FrankyB7, March 7, 2023 Elodie de mieux en mieux sortez-la s'il vous plaît, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, hashtag Koh-Lanta, hashtag Koh-Lanta le feu sacre, Souadraoussi @Souadrao, March 7, 2023 Elodie comédia dell'arte X1000 hashtag Koh-Lanta, LMK, @Babi-LMK, March 7, 2023 Wesh Elodie, on explique pourquoi elle s'énerve. Ce jeu d'acteur digne d'un mauvais film hashtag Koh-Lanta, totix-0@eltotix, March 7, 2023 Mais Elodie quel malaise hashtag Koh-Lanta, jerigolé@jerigolom, March 7, 2023 Elodie t'en fait beaucoup trop hashtag Koh-Lanta, mylène-rougier@mylène-rougier, March 7, 2023 Elodie la comédienne de l'équipe. Tous pour les caméras hashtag Koh-Lanta, oh mais dis les termes @lilsassi-bas, March 7,
2023. Quel malaise Elodie, hashtag Koh-Lanta, Blackbird arrobase srlul, March 7, 2023 à lire aussi. Sortez-moi de ce cauchemar. Le bouleversant témoignage d'Elodie, Koh-Lanta 2023, sur son cancer du sein.